Alors aujourd'hui, mardi, nous faisons les cornettes de bise. Là, tu vois, c'est le même problème. Tu fais du film aussi? Ouais. Je crois maintenant, Marie, qu'à notre âge, il va falloir penser sérieusement à notre futur épitaphe. Je suis bien d'accord avec toi. Oh là là, ça souffle ce matin, ça souffle. La montée aux cornettes de bise. Le col de Vernaz. Oui, il y a Jean-Paul Armada, par exemple, il ne voulait pas faire le grand truc. Il est pas grand. Vous allez manger. Il y a Jean-Paul Armada qui voulait manger. Tu veux une petite bâche, d'accord? Oui, il va s'arrêter là-haut, il était pas ici. Il a tiré parce que c'est... Et Jean Dimetta, il m'a dit, tu vois, tout ça, c'était mon domaine. Alors je lui ai dit, mais tu te retrouves 30 ans en arrière, quoi. Tu rajeunis de 30 ans. Qu'est-ce qu'il faisait, tout ça? Notre groupe à l'assaut des montagnes. Là, nous sommes au col de Vernaz. Une partie du groupe qui est là-haut. Le deuxième groupe. Oui, mais c'est trop lourd. Et puis, il faut pas qu'elle soit trop puissante parce qu'après tu bouges. Mais voilà, oui, t'as vu, là, il faut se caler. Oui. Mais elles sont bien, elles sont légères les tiennes. Oui, c'est quoi des, c'est des quoi? C'est non, Amma. Hein? Quand même, hein. Voilà, donc c'est ce qu'on aurait dû voir hier, nous, ça. Voilà, la c'est gauche, ça, là, la gauche, là. Oh, ça s'est dégagé à peine, là, voilà, on en a vu une partie. Peu, ouais. Le Mont Blanc, ça doit être ce qu'on voit là-bas. Oui. Oh. Le Mont Blanc. Les dents blanches. Une partie délicate. Oh oui, c'est bien peu ça. Les dents blanches.
pas mieux. Non. Alors les dents blanches. Là, il y a une Via Ferrata. Voilà, on va la faire.